E sa vuol più tutto, no? Tout de suite, madame. Inspecteur, j'ai plus de force. Pourquoi t'as pas stoppé plus tôt, hein, connard? Inspecteur, j'ai rien fait, je demande un avocat. Ah, baisse les mains et laissez pas de jouer au mariage avec moi, petite ordure, compris? Catastrophe. Ah, donne-moi. Mais je n'ai rien fait. Vas-y, doucement. Voilà, comment toi, je vais faire une devant, l'autre derrière, juste pour t'empêcher de fuir. Allez, en prison, les voleurs! Ça lui apprendra à jouer au voleur. Et comment je vais marcher? Un coup de pied au cul. Allez, oh! Je veux que tu marches à coup. D'ici à Rémilla, afin de compter l'envie de voler. Foutez-moi la peste, quand même. Thank you.
Police, bouge plus. Non, mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu veux me flinguer? Ça va pas, t'es malade? Baronetti, fais pas le con. Tu faisais le guetteur pour Giancica tout à l'heure, sur le marché. Ouais, mais je ne le connais pas. Je faisais juste une balade en moto. À 100 à l'heure, hein? Allez, grouille-toi. Passe-moi tes mains et que j'accroche mes jolis bracelets. Vite! Avance tes poignets! Remue-toi, Baronetti de... Ah. Merci pour ta moto, Italien! Ben, tu peux te vanter d'avoir fait la plus belle connerie qu'il y ait jamais eu dans la brigade anti-vol depuis sa création. Ouais, chef, je devais bien lâcher mon revolver pour lui passer les menottes. Les menottes, ça se met soit aux mains, entre les jambes, ou bien aux poignets lorsque tu les as bloquées par derrière. Pour qu'un motard de la brigade anti-vol se fasse piquer sa moto sous le nez, faut qu'il soit con. Non? Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, tu vas prendre un beau cahier et recopier 100 fois « Je suis un connard, je suis un connard, je suis un connard, je suis... » 100 fois. Et en écrivant bien pour que tout le monde puisse le lire. Ah, garde Juno, je dois faire un rapport. Baronetti t'a mis dans de beaux draps en piquant ta moto. Oui, et comme d'habitude, il possède un alibi solide, il s'est mis en observation à l'hôpital. Oui, mais le commissaire l'a retrouvé avec le bras sous perfusion et le thermomètre dans le cul. C'est exact. Ça fait 7 jours qu'il y est, selon les témoignages d'un infirmier et de 6 autres malades. Merci. Un de ces jours, pourtant, j'arriverai à le coincer, ce salaud. Commissaire, inspecteur, et toi, Gargiulo, venez voir la bonne blague de Baronetti. À la brigade antivol avec tous mes remerciements. Bravo. Le gars de service n'a rien remarqué. Il est sorti acheter le journal et l'a trouvé dans la cour. Tu sais ce qu'on va faire? On va mettre Ciccio Fomaggio à côté de la moto et prendre une belle photo. On écrira dessous d'un con à un autre et on te dédicacera. Tu parles si je m'en fous. J'ai récupéré ma moto et c'est bien ça le plus important. Bravo, bravo. Dites-moi, Trentini, vous avez interrogé Giancica. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, d'après lui, le championnat a encore été gagné par la Juventus. Une bonne réponse. Et Nico, tu espérais quoi? Qu'il me donne le nom et l'adresse du harceleur? Cet type-là ne parle jamais. Nico, écoute un peu. Est-ce que tu te souviens quand je t'ai arrêté il y a 20 ans? Je m'en souviens. Tu n'étais qu'un gamin. Je t'avais presque arraché l'oreille. Et pourtant, le nom du harceleur auquel tu devais vendre le poste de radio et la montre que tu avais volée, tu ne l'as jamais avoué. Mais bien sûr, c'est un engrenage. On ne peut plus parler, sinon... C'est des recelleurs qu'il faut absolument se débarrasser. Tu sais pourquoi je leur en veux? Ces salauds ne risquent rien, mais ils en récupèrent tout le bénéfice. Et de plus, ils n'ont pas de casier judiciaire. Écoute, Tozzi, s'il n'y avait plus de recelleurs, peux-tu me dire comment les voleurs pourraient écouler leur larcin? Ah, mon vieux, mais c'est là tout le problème. C'est pourquoi il faut absolument, en premier, piquer les recelleurs pour être tranquille. Et il n'y aura plus de voleurs. Bien raisonné, Nico. Ma femme m'a préparé un plat de spaghetti. Tu viens dîner à la maison? Non, non, je te remercie, mais j'ai un rendez-vous. Très bien. Mais amitié à ta femme. Ciao. Ciao. Ah, bonjour, maman Teresa. Ah, bonjour, Nico. Et bon anniversaire. Merci, Nico. 74 ans aujourd'hui. 74 ans. C'est ça? Mais vous en paraissez 20 de moins. Flatteur. J'en ai toujours eu dit depuis que ta mère, que Dieu la bénisse. C'était ma meilleure amie, Nico. Tout le monde nous appelait les jumelles de la rue. On était vraiment les meilleures putains ambulantes et les reines du quartier triomphant jusqu'à Pontonneville. J'ai un cadeau pour vous, la meilleure radio portable transocéanique, dernier modèle. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et vous avez le monde entier chez vous. Merci, Nico. Je parie que tu me l'as acheté. Oui. Autrefois, quand t'étais gosse, tu l'aurais volé, mais alors on t'appelait le pirate. Tu étais le plus habile de tous les voleurs. T'aurais sûrement fait une belle carrière sans ton virage chez les flics. Ah, chacun choisit le métier qu'il est le plus et apte plus à faire. T'étais beau. Et pourquoi j'étais? Tu penses que je suis moins bien à présent? Au revoir, Teresa. Ciao. Je vais à... Chut, ne dis rien devant lui, ce sale gosse est un flic, un fruit pourri. Mais je ne fais rien de mal, hein. Ah, je vends des souvenirs aux touristes. Oui, on sait jamais. Si j'ai bien compris, tu fais l'arnaqueur. Ben, fais gaffe, tu sais. Parce que ça commence comme ça, un petit vol à la tire, et puis après, on enchaîne sur la cambriole. Non, il vaudrait mieux te trouver un travail. Ciao. Ça va, au revoir. Ouais, au revoir. Mais qui c'est? C'est votre neveu? Mais non, j'ai pas de neveu, c'est mon mari. Ça fait 3 mois que nous sommes mariés, lui et moi. Votre mari? Et bien sûr. Et en plus, il est jaloux comme un tigre. Ben, vous savez y faire, maman Teresa. Non, c'est pas l'âge qui compte, hein, c'est le courage du capitaine. On ne t'a jamais dit que c'est avec les vieilles poules qu'on fait les bons bouillons.
Un petit poisson de la brigade des meurtres, le dîner est servi. Je t'appelle pour savoir si on se voit ce soir. Ça fait plus d'un mois que tu ne m'as pas donné de nouvelles. Je sais que la police est toujours sur les dents, mais tu dois bien avoir du repos, non? Au cas où, mon téléphone... Ah, oui, oui, je me souviens. Lieutenant Sheridan, votre dîner. Message spécial pour l'inspecteur Nico Giraldi. Va te faire foutre, va te faire foutre, va te faire foutre. Je vois tes ferrates, cette ordure de bâtard. Va te faire foutre, va te faire foutre. Tu dépenses ton fric en jetons. T'es bien l'empereur des cons. L'agent Ballarin à l'appareil, inspecteur. Je file Baronetti depuis environ 4 heures. Maintenant, il est 12h30. Il vient d'entrer chez les amis avec Zagaya. J'ai l'œil sur la porte du bar qui est juste en face. C'est l'Olympia, situé au 24 de la rue Bissonne. Je suis sûr qu'il va ressortir et aller à la chasse. Oui, mais attends-moi. Je donne à manger à Serpico. Tiens, Serpico, ton dîner. Allez, mange, terreur. Mmh. Ouvre, Ballarin, c'est moi, inspecteur Giraldi. T'es sûr que c'est lui? Oui, et on va l'avoir par surprise. C'est par cette porte qu'il est entré. Dites donc, vous en avez pour longtemps. Moi, je suis fatigué. Demain matin, je me lève à 5 heures pour ouvrir le comptoir. Ici, à Campofiore, il y a marché et tout le monde vient boire le café avant de commencer. Oh, casse-pied, il ne peut pas s'endormir, non? Depuis une heure qu'il est dans le bar, votre copain a bu d'abord un demi de grappe, plus les bières. Et il a mangé 12 sandwichs, plus 25 petits flans aux fruits et un mocha énorme. C'est pas un peu trop, non? Vous comprenez, inspecteur, ça fait une addition de 10 000 lire. Je n'ai pas dîné avant chez moi à cause de Baronetti. Moi, je m'en fous totalement de Baronetti, moi. Ma femme est embêtée. Elle demande si on pourrait pas changer le jour où je dois obligatoirement faire la fermeture hebdomadaire. Pour moi, le dimanche, c'est une vacherie. Ferme-la, tu nous les brises. J'aimerais mieux que ce soit plutôt le lundi. Écoute-moi, je vous fais là une bonne fois pour toutes, c'est compris. Bon, ben, puisque vous insistez, c'est comme si j'avais rien dit, inspecteur. C'est ça, va me faire un café. Il est certain que si le président pouvait être à la hauteur, le cabaret serait fermé pour les histoires qu'on lui raconte sur lui. Comment était-elle sur les flics? Et si on le nomme un jour président, il faudra bien... Mais qu'est-ce que c'est? Un œuf pourri. Eh bien, aidez-moi. Pour des vandales sur mon livre, c'est pas possible que des choses pareilles arrivent. Ah, regarde les types en moto, ils ont raflé le manteau de fourrure. Au voleur! Au voleur! Allez! Avec moi, ils auraient peu de chance, les voleurs. Je ne porte ni manteau ni sac à masque. Il fait pour sortir les bijoux sur moi. Je les enfile dans mon soutien-gorge et voilà. C'est une bonne idée. Le voilà. C'est bien lui. C'est toi qui conduis, allez. Mais toi, tu devais relancer le type qui venait ici pour te voir. Allons prendre nos motos sans faire de bruit. Bah, où va Baronet? Au Mont Sacré. Vas-y, prends une pastille. Non, non, ça, je veux pas, j'ai du mal à parler sans... avec, je m'étrangle. Prends juste après le boulevard à gauche. On y prendra Garba et le Chinois. Il paraît qu'ils connaissent une bonne rue à Pigeon. Ah, bon, très bien. Tiens, Garba et le Chinois. La bagnole est sûrement une voiture volée. Non. Elle est prêtée gratis à titre publicitaire. T'en veux une? J'ai pas de feu. J'en ai. Pas la rue c'est finie, encore moins chinois. On va finir par se les rencontrer, ces salauds motorisés. Roule doucement, ils nous arrêteront pas. T'es sûr de l'heure? C'est papy plein de poulets dans cette rue-là. Ils sont nerveux.
Alors, messieurs, on se permet de circuler sans phare? Montrez-moi votre permis, les papiers et la carte grise. Brigadier, ne me faites pas perdre de temps. Je suis l'inspecteur Giraldi, chef de section à la brigade antivol. Eh ben, faites-moi voir votre carte. Et pendant ce temps-là, ce fils de pute aura pris le large, brigadier. Et qui me dit que le fils de pute, ça n'est pas vous? Ben, c'est moi qui le poursuivais. Je dois faire mon service. Allez, donnez-moi vos papiers, tous les deux. Ah bon, bon, d'accord. Hein? Ah. Qu'est-ce que vous faites? Un numéro de striptease? Ben, forcément, je les ai sous mes fesses, mes papiers. Bonne nuit. Et merci pour le dîner. Bonsoir. Bonne nuit. Que ça? Et si, qu'est-ce que tu as, hein? Nos excuses, inspecteur Giraldi, mais on ne peut se fier à personne. Nous, nous sommes de la police. Ah oui, justement. Vous êtes content, brigadier? C'est un succès, non? On peut... Pas... Allez, madame! Les flics! Je suis de la police, que vous ont-ils fait? Ils étaient quatre, ils ont fui par là, j'ai été... Oui, c'est bon, merci. Malin! Ils m'ont frappé, tout volé, ils sont par là. Calmez-vous, mademoiselle Brion, nous ils sommes sont là. Par là. C'est cette saloperie d'inspecteur Giraldi. Allez, chinois, montre comment tu vas les semer. Allez. Vas-y, pars. Vite, appuie, fonce, c'est surtout te plombe pas, hein. D'avance sur les poulets, c'est parfait. Tu prends par Marana. Arrête, c'est bloqué. Allez, viens. Ah, vite. Attends, allez vite dans le chantier. Hé, hey, ballerin, prends Zagaya, mène-toi. Non, 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 moi, je suis pour rien. Mon avocat s'appelle bravo, Mimina... Bravo, attends-moi, là. Mais il faut pas m'oublier, hein. Chinois. Oh, Shintok. On joue à quoi? À cache-cache? Je te flingue le premier ou on joue à autre chose? On ferait mieux d'aller dehors. À cette heure-ci, j'aime pas le bruit. J'ai sommeil. Tu vas loin comme ça? Allez, donne-moi ton bras. Ok, ne tire pas, je suis désarmé. Alors sois gentil, viens par ici. Tu fais une mariole parce que t'as le pistolet, flicard, hein? T'as raison, Shintok. Mais on peut faire comme si je le perdais. Oh, quelle garde!
Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu te prends pour Bruce Lee? Tu veux t'arrêter? Ouais, ça suffit. Chinois, laisse ce pic ou je vais te faire très mal. Alors, t'es calmé maintenant? Qui portiez-vous les objets volés? J'en sais rien, je m'occupe pas de ces choses. Et tu ne connais pas le receleur? Non, je te le jure. C'est l'affaire de Baronetti, commande la bande. Moi, je connais pas l'autre gars. Que Ciapetta, je crois que c'est lui qui fait l'intermédiaire. Tu vois, quand tu veux, tu deviens très sympathique. Allez, debout. Tout ce qui a été volé se trouve dans la voiture. Pas mal, hein? Emportez ça au commissariat de police avec ces deux choses-là. Moi, je dois foncer à l'hôpital. Vous êtes blessé, inspecteur? Non, je vais voir si je peux capturer cette fois Baronetti avant qu'il se planque. Allez, viens. Égrouille-toi, j'ai pas de temps à perdre. Allez, entre là-dedans. Hé! Hey! Hé! Hey! Ne m'oubliez pas! Mais comment je vais faire pour pisser, hein? Lève-toi et marche, mauviette. Qui êtes-vous? Je suis Saint-Antoine de Friuli, le protecteur d'un moulin à parole. Je me sens très mal. J'ai une insuffisance rénale avec complications intestinales. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Il est très mal en point, il vient de rechuter. Quoi? Il est mal, dites-vous, et venant de rechuter? Mais il y a une heure à peine, il galopait dans la rue. Impossible, inspecteur. Depuis 4 jours, il est hospitalisé dans ce lit. Voici sa feuille de température, tout y est écrit. Il ne s'est jamais levé, même pas pour ses besoins. Ben, s'il n'a pas bougé depuis 4 jours, il a cependant un pouls un peu rapide. Il est rapide à cause de l'hypertension néphrétique. Vous voyez, il est mis sous perfusion permanente. Un jour, c'est moi qui le mettrai sous perfusion. Mais à l'acide muriatique. Toi, je te conseille de faire gaffe. Bonsoir, Mangiagali. Eh ben, tu parles pas? T'as rien à dire? Étrange. Peut-être que vous l'effrayez. Pourtant, j'ai su que tu voulais me parler, hein? Que tu voulais me dire que certaines choses n'allaient pas, que si tu avais l'occasion de voir cet imbécile de Shelley, tu pourrais casser le morceau, non? C'est vrai? C'est que je... Eh ben, du courage. L'imbécile est devant toi. Qu'est-ce qui se passe, hein? T'as perdu ta langue? C'est une fausse information, monsieur Shelley. J'ai seulement dit... Ouais. Que dans le fond, c'est moi qui avais procuré l'affaire. Une très très grosse affaire. 5 millions de dollars. J'ai fait l'intermédiaire. J'ai risqué énormément. Et 100 000 dollars te paraissent insuffisants? Pas vrai, Andrea? J'espérais bien en recevoir un peu plus. Ah. Selon moi, c'était beaucoup trop. Pour un fils de putain. C'est moi qui peux risquer la plus grosse part. Surtout si un tel imbécile est en circulation. Non, monsieur Shelley, qu'est-ce qu'ils veulent me faire? Non! Non, je n'ai rien fait! Laissez-moi! Je n'ai rien fait! Mais ce sont des mensonges! Mais laissez-moi sortir! Non! Non! Non, arrêtez! Arrêtez, monsieur Shelley! Bande de lâches! Salaud, bâtard! Oh, bâtard! Salaud, Shelley! Non! 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 Salaud! Non! 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 Non
auprès des phares. J'écoute. Balancez-moi ça dans le fleuve, près d'un pont. Ça fera un cadavre de plus que la police repêchera, il y en a tant. Et qu'on n'en parle même plus, hein. Quel dommage. Moi, j'achèterais volontiers un beau chien. Un berger ou un doberman. Parce que tu sais, habiter seul, ça devient un problème. Oui, c'est dangereux. Mais je ne pourrais pas l'amener au bureau, c'est impossible. Pourquoi? Oh, tu penses à la tête que ferait le directeur. Mademoiselle Cataneo? Oui. Je suis l'inspecteur Géraldine, de la brigade Antival. Ah, mais nous nous sommes déjà rencontrés devant chez vous l'autre nuit. Ah, oui, c'est vrai. C'est vous le policier qui avait capturé les malfaiteurs. Je vous ai à peine entrevu que vous disparaissiez. Ah, je serais bien volontiers arrêté là pour vous secourir, mais ces hommes-là vous attendent peut-être. Ah, ce sont mes collègues de bureau. Nous avons à peine une demi-heure de pause et nous allions déjeuner au snack là-bas. Ah, il y a un snack juste à côté? Ah oui, on y mange très bien. J'en connais un où on y mange très mal. D'accord. On se voit plus tard, ça va? Ok. Nous publions des recueils importants et rares, des essais monographiques, des volumes particuliers et précédemment un roman médical de Thomas Mann. Thomas qui? Thomas Mann. Il est peu imprimé en édition européenne. Ben, moi quand j'ai le temps, je lis des Mickey. Je m'excuse, je ne vous ai encore rien dit, Nico, à propos de tout ce que j'ai récupéré du vol. Je cherche un moyen de vous dire merci. Un moyen, j'en connais, hein, moi. Lequel? Je suis obligé de manger que des boîtes de surgelés. Et vous voudriez quoi? Je voudrais que ce soir, vous m'invitiez à déguster votre cuisine, disons, à 9h. Ne dites pas non, inspecteur. Je prendrai ce refus comme une offense. La police est honorée. J'étais derrière la porte et je l'ai vu partir en moto. Monsieur Gilly, comment vous sentez-vous? Venez dans l'hôtel. Non, merci, je vais bien. Monsieur Gilly, le mieux, c'est de prévenir la police. Le numéro, c'est le 113. Non, c'est pas la peine de prévenir la police. Dans la mallette, c'était pas des valeurs très importantes. Juste des dossiers de clients, rien de bien irremplaçable. Mais monsieur, pourquoi ne pas vous rentrer dans un instant? Mais non, ce serait inutile. Je comprends merci, pas. Merci. On devrait appeler le commissariat tout de suite. Pourquoi ne pas porter plainte, hein? Et pour combien il y en a? 5 millions de dollars. Et combien ça fait? Près de 4 milliards de lire. 4 milliards de livres. Dit Barreau, cet argent peut être dangereux pour notre peau. Othello a raison. Ça, c'est de l'argent pas net. Mais on peut en prendre une partie pour nous et le reste, on le remet aux flics. Mais quelle idiotie. Si on en prend un peu, c'est exactement comme si on prenait tout. Il ne faut surtout pas s'affoler. On peut aussi tenter d'écouler les billets de temps en temps. Un peu chaque fois en changeant de ville. Bon, il y a une chose à observer, le silence. Surtout ne rien dire aux autres. Bon, je m'occupe de planquer le magot. Il n'est pas question de sortir pendant plusieurs jours. Pendant ce temps, je vais chercher la meilleure solution, compris? Et on se revoit où et comment? Dimanche, au billard, chez Albert. Oh, oh, bonheur! Oh, bonheur! La police! Oh, appelez la police! Espèce de bien, tu rentreras pas, je suis très vivant! Allons-y! Donnez-la bien, hein! Surveillez-le si j'en... Arrêtez! Stop! Arrêtez! Qu'est-ce que tu veux? C'est un complice! Mais non, arrêtez, je suis de la police! Et attends, va te faire ta fête! Mais laissez-moi! Mais arrêtez, je suis de la police! Bande de fous, il faut vous tirer dedans pour vous calmer! Oh, mais c'est la police! Ah, ils les prennent vachement jeune! Allez, lève-toi! Policier du truand! Passe tes poignets! Allez, debout! Allez, viens, quoi. Oh, allez,
Bande de salauds. Si on en sort, tu ramèteras un cierge à Sainte-Buffalota. Mais qui es-tu? Le protecteur des fils de pute de ton genre. On devrait lui couper la... Il a de la chance qu'il soit là. Tiens, cette fois, ce bandit s'en sort bien. Mais si on le retrouve dans le secteur... Vous avez raison, s'il repasse par ici... Il y aura plus de pas dans ce gardien. Encore un qui protège les valeurs. Et qu'est-ce qu'il fait pour les pauvres femmes seules, hein? Ça, je me le demande. Ok. Ah, écoute, maintenant, si tu me donnes le nom de ton receleur, je te laisse filer. Je ne connais pas de receleur. Bah alors, tout ce que tu voles, t'en fais quoi? Tu le donnes aux pauvres? Et vous me laisseriez partir? Je te jure, sur l'honneur de ta poufiasse de sœur, que tu seras libre. Il s'appelle Latuf. Il habite au-dessus de l'auberge, à Ripetta. Ah, très bien. Et maintenant, tire-toi. Mais je te préviens que si je te retrouve... Tu pourras serrer fort les miches. Oui, j'ai pigé. Tant mieux. Allez, file. Toutes mes excuses. Oh, enfin. Excusez-moi. Vous permettez? Votre montre donne quelle heure? Et la même que la vôtre. Mais non. Voyez, elle est ici. Et non, dans le soutien-gorge. Et dites donc, quand on vous demande l'heure, répondez-vous, il est le quart à mes tétons? Oh, c'est dommage, regardez. Le dîner est froid et les bougies se sont consumées sans vous. Je me fous des bougies et du dîner. Allô? Ah, moi, je suis de Gavarlich, sadnim pilot, nash du katorei, nam pubijot, primete de Niemchi. Хорошо, moi, je suis saglashli. До свидания. Oh, c'est bizarre de se réveiller le matin à côté d'une fille qui parle le russe. Et de se retrouver à côté d'un gars qui dort avec un bonnet, avec trois pulls et des chaussettes fantaisie. C'est pas bizarre, ça? C'est parce qu'après certains exercices, je me sens des frissons jusqu'à la moelle. Pauvre chérie. Pourquoi parlais-tu en russe? Parce que je parlais à l'éditeur européen des romans de Kouniakov. Il révélera beaucoup de côtés obscurs de la vie et de la politique soviétique. Le manuscrit va passer en Italie clandestinement. Je suis chargée des contacts, tu comprends? Eh ben, pas du tout. Je suis un agent littéraire. Ah, une imitation de 007 du bouquin. Dans un certain sens, oui. Ah. Tu veux un café? Peut-être. Je vais le faire tout de suite. Bravo. Oh. Oh, oh, il faut que je me sauve. Mais tu ne te reposes jamais? Tu es de service même le dimanche? Non. Aujourd'hui, je travaille pour moi. Je dois passer prendre Colombo et Gargiolo pour aller au stade avec eux. T'es mordu? Oh non. Non, mais je dois piquer un rigolo qui me laisse des messages spéciaux sur mon répondeur téléphonique. Non, il n'a rien fait de mal, non? Oh non. Non, mais le gentilhomme que je cherche m'a laissé 45 secondes de « va te faire foutre ». Et j'aime pas ça. Tu ne
ne sais rien sur la valise volée devant l'hôtel Piron par hasard. C'est pas moi qui l'ai. C'est pas moi. C'est Baronetti qui... Alors, Chipo, tu vas te décider à parler? Il doit bien avoir un nom, ce Baronetti. Portinari, Achille. Et où il habite? J'en sais rien, je... Va-t'en vite, Baronetti. Ils sont quatre dans le billard, à massacrer Gippo. Et ils veulent savoir où sont les dollars. Si Gippo parle, il va falloir nous planquer. Essaie de joindre Ciappetta. Et moi, je te dirai où je suis. T'as compris? D'accord. Qui l'est conseillé à l'État. Ah, vous êtes un conseiller de la Dio. Oui. Mais il est fort, votre avant. Je lui ai aussi donné des conseils sur son jeu. Ah, vous les conseillez tous. Ah, comme conseiller, vous êtes le roi. Ah, on est comme ça, Lenzini et moi. Ah. Mais moi, j'ai une position supérieure. Ah, mais vous êtes un collègue aussi, alors vous êtes constructeur. Ah, qu'est-ce que vous gagnez comme friend? Il a marqué. Je me sens mal. Ah, moi, la Dio me fera mourir. Quoi? Mais un ami a déjà eu la même émotion. Il est mort en match. Vous voulez que je me sente? Non, ils me feront mourir. Vous devriez prendre quelque chose. Non, je vous remercie, j'ai pris déjà. Oui, alors je m'en vais maintenant. Bon salut à papa Lenzini, bien sûr. Pourquoi? Je le vois ce soir, ce cher papa. Allez, la Dio! Regarde bien comme il est gonflé, ce petit, un mec plein de fric, ce constructeur. Combien? Environ 100 000, 200? Mais où il l'a mis, son fric, cet idiot? Peut-être dans le coffre ou dans un sac? Ah, le voilà. 20 000 lire. Un minus de constructeur pouilleux, une misère. Il peut être que de Lazio, ce radin. J'aimerais savoir son nom. Voilà les papiers. Gaetano Bozzetti, manœuvre. Ah, il est beau, le constructeur. Super abruti, dans les chiottes. Il s'y sentira en famille. Attention, attention. Message spécial pour le voleur Lando Rossi, alias Grotte Ferrata, par les soins de l'inspecteur Giraldi, qui espère que le portefeuille ne se perdra pas. Sinon, il n'y a pas que lui qui sera dans la merde. Eh bien, par là, toi. Ah, va te faire foutre.
Va te faire foutre. Inspecteur, c'était qu'une petite plaisanterie de rien. Je pense, Grand Efferata, qu'il te faudrait un beau lavage de tête. Ah ben, après m'avoir frappé comme une brute, là, je vois pas ce que vous voulez dire par un beau lavage de tête. Eh ben, tu vas voir. Allez, là-dedans. Non, inspecteur, je suis allergique à l'eau. Attention, s'il vous plaît. Monsieur Gaetano Bosetti veut retirer son portefeuille à la porte 15 de la tribune officielle. Mais c'est le mien. Oh, les porcs, les immondes enfants de putain. Quoi? On te pique ton portefeuille et tu t'en prends à moi? Toi, ta gueule! Attention, attention. Monsieur Nicolas Giraldi doit se rendre immédiatement à l'entrée de la tribune A pour une communication urgente. Où étiez-vous passé, inspecteur? J'ai rencontré celui qui m'a envoyé me faire foutre au téléphone. Je l'ai remercié et je l'ai remis à un flic. J'espère qu'ils en prendront bien soin. Le commissaire demande que vous alliez au bar de la Carambole. Il y a un mort. Bah, qu'est-ce qu'on doit faire? L'enterrer? La mort est survenue à 15h30. Ouais. Mort par fracture du crâne. Merci. Est-ce que je dois faire appeler une ambulance? Votre rapport, docteur. Vous nous l'enverrez aussitôt que possible. Appelez une ambulance, après. Il y a 6 mois. Hein, je l'avais arrêté pour un vol. On l'avait remis en liberté en attendant le jugement, mais on aurait mieux fait de le garder. Eh bien, Trentini, ce coup-ci, c'est le pastis. Personne n'a rien vu des faits. Quand les quatre sont entrés, ils ont fait sortir tout le monde. Il peut s'agir d'un règlement de compte. Mais qui pourrait avoir un compte à régler avec un minable comme Gipot? Hein? Mais évidemment. Mais on ne sait jamais. Giraldi, qu'est-ce que tu en penses? Bah... Comment pas? Cette histoire ne me concerne pas. C'est pour la criminelle, non? Fais pas l'imbécile, Nico. Une récompense et l'espoir d'une promotion ne t'intéressent pas? Tu songes toute ta vie courir après les voleurs? C'est ce que vous faites, vous. Les voleurs, c'est ta spécialité. Tu les connais tous. Et de plus, tu veux arrêter leurs receleurs. D'accord. Mais penses-tu réellement que tes anciens amis ont pu faire ça, hein, Nico? Et croyez-vous que je resterai neutre? N'importe comment, tu as très bien connu Gipot. Et tu sais avec qui il travaillait. Oui, avec Baronetti. C'est déjà une piste, non? Et celui-là, tu sais où le trouver. Pas vrai, Nico? Oui, je sais où le trouver. Terminus, range ton chariot et viens avec moi. Mais j'ai un malade à emmener à la radiographie. Moi, je vais d'abord te faire une scopie. Mais vous êtes dingue! Que voulez-vous de moi? Voici Dante Renucci, surnommé jadis le bœuf de Testaccio. Maintenant, il joue les repentis et travaille aux hôpitaux réunis de Rome. Mais il ne gagne pas assez. Pour arrondir sa maigre paye, il fait du trafic d'amphétamines. Oh! Qu'est-ce que vous dites, inspecteur? Que l'on m'aveugle, si... Tais-toi! T'as vraiment envie de renoncer à la vue? Tout le monde sait bien que t'es le plus gros coquin de la capitale. En plus, ton cousin Baronetti t'aide. Et toi, en échange et par reconnaissance, tu lui fournis des alibis. Quoi? Je crois qu'il faut te les déboucher, hein. Mais mon cousin est vraiment très mal. C'est vrai. Il pourrait mourir. Qu'est-ce qu'il a? Lui, rien encore. Mais Gipot, lui, est mort. Gipot mort, mon Dieu. Il travaillait avec Baronetti, non? Oui, après l'arrestation du Chinois et de Zagaya. Ils étaient trois. Mon cousin, Gipot et Otto. Ton cousin, est-ce qu'il est venu ici? Non, non, personne n'est venu ici. Ça se peut qu'il se planque parce qu'il sait qu'après Gipot, ce sera son tour. Je parie qu'il a fait un turbin à un receleur, vrai? Moi, je ne sais rien. Tu peux me dire où vous refilez tous les objets? Je n'en sais rien. Ah, fais attention, bœuf, sinon je t'ouvre le cul. Mais je n'en sais rien, inspecteur. Bah, en tout cas, s'il se montre, avertis-moi immédiatement pour son bien et le tien. Surtout pour le sien. Mais pourquoi moi? Je ne suis pas complice. Pas la trouille, hein. Allez, viens. Si tu veux garder ta place, il faut absolument m'aider. Tu dois marcher avec moi. Tu peux me dire quelque chose sur Otello? Sa famille est restée à Prenestino, mais il doit se planquer. Il utilise le studio de son ami. Le nom de l'ami? On l'appelle Adélaïde et l'habite rue du gouverneur, inspecteur. Ah. Je suis vraiment en danger? Qu'est-ce que je peux faire? Masse-toi, ça t'occupera. Je te verrai plus tard. Ils sont quatre, ils vont le tuer. J'ai appelé la police.
Tirons-nous par l'escalier. Othello. Mais j'ai rien fait, inspecteur. Othello. Inspecteur, la gouttière se détache. Reste calme, attrape ma main. Inspecteur, je n'y arriverai pas, je glisse. Essaie. J'en peux plus, je... Non, je ne les connaissais pas, inspecteur. Je ne les avais jamais vus. J'avais mis la chaîne à la porte, mais eux, ils sont entrés de force. Othello a réussi à s'enfuir par les escaliers. Et Othello les connaissait? Mais qu'est-ce que j'en sais? Ça faisait un bon moment. Il ne venait plus me voir. Il se cachait. Il avait fait un vol depuis, lui et Et Baronetti. Oui, Baronetti et Gippo. Une grosse affaire. Mais il ne m'a rien dit d'autre en plus. Mais dites-moi, pendant qu'il était chez vous, est-ce qu'il a demandé à passer des coups de téléphone ou en a-t-il reçu? Oui, hier soir. Il a téléphoné à une discothèque. C'était le... Le crocodile. Il a parlé à un certain... Ciappetta. Ciappetta. Oui, Ciappetta. Et le crocodile, c'est ça? Oui, c'est ça. Après, il a dit que l'affaire était grosse. Il a dit que si ça allait bien... S'il vous plaît, où est le téléphone? Par là, dans la loge. Ah, merci, madame. Allô? Ah, c'est toi, enfin. Non. Non, j'ai un rendez-vous, je ne peux pas. Eh bien, tu le remets parce qu'il faut que tu me rendes un service. Non, 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 ce n'est pas une autre invitation à dîner, non. Il s'agit de... Et maintenant, je ne peux pas t'expliquer. Est-ce que toi, tu peux te trouver à 10h48 via Montana? Oui, mais pourquoi faire? Mais il y a une discothèque qui s'appelle le Crocodile. OK? Tu viens vite. Ah, parce que les flics dansent maintenant? Oui. Tu dois avoir au moins 18 ans, je parie. Comment vous le savez, vous? Parce que j'ai un ami qui a un fils de 9 ans qui est moitié moins bête que toi. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas, hein? T'as beau t'habiller comme une lady, tu restes une putain. Mais enfin, Nico. Allez, on va boire, j'ai soif. Joue le jeu, je t'expliquerai plus tard. Et prends l'argent traîné. Hé, par là. Hé. Allez, avance. Un gin fizz. Très peu de citron et beaucoup de fizz. Écoute, moi, je préférerais beaucoup... Mais on peut bien se taire, tu ne bois rien, sinon tu es ivre-morte et tu travailles mal. On paie d'avance, hein? Ah, ça me paraît juste. Allez, t'as entendu, tu sors ton fric. Et en plus, un paquet de MS. Tiens! Tu sais pourquoi ils appellent des MS? MS, merde sèche! Eh ben quoi, tu ris pas? Moi, quand on me l'a raconté, j'ai pissé dans ma culotte tellement j'ai ri. MS, c'est bon. Il est tard. T'as vu l'heure ou pas? Qu'est-ce que tu dis?
qu'il est tard, on pourrait partir. Va te faire foutre, c'est pour toi qu'il se fait tard. Tu vas partir tout de suite, c'est la sortie des cinémas. Ils vont sortir congestionnés. Ils voudront se faire épancher. Faut pas que l'autre type te fuit ton coin. Allez, allez, du nerf, allez, vas-y. Et vas-y, agite l'arrière-train en sortant, hein. Et donne-moi encore un peu de fric. Allez, allez, donne, dépêche-toi, donne. Oh, ça va. Et maintenant, tâche de couiller et d'aller prendre ta place. Et rappelle-toi bien quelle chance tu as de m'avoir. Et hop, c'est une débutante, tu piges. Elle est encore mineure. Et hop. Ah. Ah, tu vois, de faire ce métier, ça me casse les valseuses. Eh, la vie est très dure, quoi. Monsieur, enfin, jeune homme, auriez-vous un peu de feu, s'il vous plaît? Oui, oui, certainement. Yep, yep, yep. Mais qu'est-ce que tu disais? Eh, que c'est pas mon métier, le tapeur. Ah, mais le malheur, c'est que je suis dans l'impasse, j'ai des objets à vendre et... Et Baronetti m'avait dit qu'il faisait des affaires, mais je me rappelle plus le nom du gars. Ah, si tu connais Achille, toi? Ah, et comment que je le connais? On est restés 2 ans. 8 jours ensemble, en prison. Comment? À la prison, en cage. Achille est... Achille est timide, mais je peux faire quelque chose pour toi. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse me... qui me fasse vendre des grosses choses. Et tu comprends? Il m'avait donné un nom, mais je m'en souviens pas. Qu'est-ce que tu as à vendre? Des brillants à tailler, des choses qui feraient bien dans une bijouterie de Milan. Quand Achille a des objets à vendre, je l'envoie généralement chez Cavallaro. Bagolini, de son vrai nom. Bago comment? Bagolini. Et une agence de transport. À Montetaccio. Je vois. De la part de Ciappetta. Je te remercie, Ciappetta. Et j'en viendrai te voir après. Et ne t'inquiète pas, ma commission, c'est Cavallaro qui la donne. Alors, je peux t'offrir à boire. Je suis au régime. Mais ça ne fait rien si tu veux être charmant avec moi. Nous pouvons sortir ensemble un soir, toi et moi. Ah, tu fais. Sur ce parcours-là, je ne fais aucun dérapage. Vilain. J'en ai pour 2 minutes, Achille. Eh oui, c'est léger. Je peux te donner 10 000 livres. Mais ça pèse presque 300 grammes. Oui, presque. Faisons 30 000 avec le poste, il est tout neuf, le dernier modèle. Mais c'est des objets que je ne traite pas. Si tu veux le laisser, laisse-le aussi. Bon, je te paye 15 000 le tout. D'accord? Ouais, ben vous êtes pas très large. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu n'auras rien au-dessus. Voulez-vous 15 000? Ça me ferait mal au sein d'aller lâcher pour 15 sacs qu'un vieux con comme toi est ta salope de femme. C'est ça, bien sûr. Au revoir. Ah, cette jeunesse. De mon temps, il n'y avait plus de respect. Baronetti, je suis à ta disposition. Alors, Achille, tu m'as apporté quelque chose de bien? Monsieur Eugène, il faut que je quitte l'Italie pour l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que je peux y faire? Tu veux que je t'envoie par colis postal? Ne plaisantez pas, vous avez su pour Gippo et Otello? Oui, j'ai appris ça dans l'ensemble. Mais en réalité, ça te regarde plus que moi. Nous sommes allés voir des tueurs. Nous avions fait un vol ensemble dans la rue des Notaires. Une valise à un Américain qui sortait de l'hôtel Byron. Dans la valise, il y avait 5 millions de dollars. Il avait raison, Otello, le pauvre. Il voulait tout de suite porter la valise chez les flics. 5 millions de dollars? Mais tu te fous du monde!
Bah alors? Ils me cherchent dans toute la ville. Je ne peux pas rester planqué indéfiniment, je dois m'en aller. Vous seul pouvez m'aider. Vous connaissez beaucoup de gens à l'étranger qui pourront me les changer. Donnez-moi 50 millions et ils sont à vous. Mais tu es ivre. Tout ça, c'est un passeport pour le cimetière. Et puis, ces billets doivent rester longtemps avant d'être remis en circulation. Mais vous pouvez me les changer? Moi? Mais qui voudra me donner 50 millions comptant? Si vous le voulez, vous les trouverez. Mais non, je n'ai que 3 ou 4 millions en liquide. T'es un fils de pute. Ah, je le sais aussi. On peut sûrement s'arranger. Je te donne 4 millions liquides et 6 millions en traveler chèque. Monsieur Eugène, et s'ils ont été volés les traveler chèques, qu'est-ce qui va m'échanger? Moi, quand tu veux. Tu ne m'échapperas pas, Baronetti. T'as des tas de choses à me raconter. Tu finiras par parler. Cette fois, tu vas y aller vraiment à l'hôpital. C'est la Banque d'Amérique que tu représentes. Écoutez, je voudrais préciser que je ne connais pas du tout cet homme et que je n'ai jamais eu de rapport avec lui. Qui êtes-vous? Monsieur Bagolini? Oui, pour vous servir. Ah. Oh! Enfin, qu'est-ce que vous attendez pour me foutre en taule, mon Dieu? Je vous ai rendu l'argent et la valise. Je vous ai confessé le vol. Si vous voulez, vous savez, j'en confesse d'autres. Je ne me sentirais bien qu'en prison. Dehors, j'ai peur. Mais l'homme à qui tu as arraché la valise, est-ce qu'il était au billard de Carambola? Je ne sais pas, j'ai rien vu, moi. Je me suis échappé. À peine si Othello a pu me dire ce qu'il avait fait à Gippo. Batozzi, c'est évident. C'est lui qui est dans le coup. Il n'a pas été dénoncé le vol. Il a dit au portier qu'il n'y avait rien de bien important dans sa mallette. Des dossiers, mais pas de valeur. En portant plainte, il aurait fallu qu'il nous dise pourquoi il se baladait avec 4 millions de dollars sur lui et en billets. Inspecteur, il se pourrait que tout cet argent ait été prévu pour acheter de la drogue ou pour payer une rançon. On le saura bientôt. J'ai envoyé Trentini contrôler si les billets avaient été marqués. Dites-moi, qu'est-ce qu'on sait de ce monsieur Shelley? D'après le portier de l'hôtel Byron, ce type s'appellerait Norman Shelley. Ouais, c'est ça, un Américain. Il a une chambre fixe au Byron. Mais il ne l'occupe que très peu. Il y est généralement le samedi et le dimanche. Oui, un endroit tranquille pour les week-ends intimes ou les trafics illicites. Commissaire, toute la série a été contrôlée. Oui, et alors? Tout ça, ça représente l'argent de la rançon payée par le joaillier Zagari. Exactement 5 millions de dollars. En coupure de 1000. Oui, c'est vrai. C'est sur les journaux du soir. Mais Zagari est rentré depuis 20 jours. Et alors, patron, ils l'ont interviewé à la télévision. Pauvre Othello. Il avait tout de suite dit que c'était dangereux. Eh oui, de l'argent pourri est dangereux pour vous tous. Sauf pour la famille Zagari à laquelle nous allons restituer cette masse de dollars. Oh, commissaire, par pitié, je vous en prie, ne restituez pas l'argent à la famille Zagari. Ce serait la plus grosse erreur que vous pourriez faire. Et pourquoi? Comment, pourquoi? Parce que cet argent peut nous amener à trouver, à connaître et à prendre le pire des receleurs qui puissent exister dans ce bas monde. Mais non! Mais c'est ce que tu penses? Ah oui, c'est ce que je pense. Quel rapport y a-t-il entre l'enlèvement de Zagari et les receleurs? Ah, ce qu'il y a. Ah, écoute, ce que les journalistes appellent de l'occasion, ce n'est rien d'autre que du recel de vol. Ce sont eux qui payent les objets volés. Ils ne les payent pas plus du tiers du prix des objets. Et c'est exactement la même chose qui se passe avec les billets marqués. Non? Je vous ai parlé une fois. Je vous ai dit que tant qu'il existerait des personnes pareilles, le vol ne s'arrêtera pas, et encore moins les rapines. Si on veut, on a la possibilité de les coincer maintenant. Sinon, ils s'enfuiront loin et nous resterons là comme des cons, non? Très bien. Alors, qu'est-ce que tu voudrais faire? Facile. Dans cette affaire de fric, nous sommes les seuls au courant avec l'autre imbécile, le vieux Cavallero qui est en prison. D'accord. La famille Zagari peut attendre le fric. À la place d'avoir du filet, ils mangeront du pâté. L'Américain, je suis sûr et certain que c'est lui, qui fait le receleur pour les dollars, il devra savoir que l'argent est encore chez Baronetti. Pourquoi moi? Je suis prisonnier. Ah, tu es en prison?
Mais non, puisque cet imbécile de Nicole Pirate qui t'aime bien t'a mis gentiment dehors. Mais je n'ai rien à voir là-dedans, moi, mais j'ai pas envie de finir comme Gippo, Othello. Toi, Baronetti, boucle-la. Tu sais que nous avons des comptes à régler. Alors, tu la fermes et tu feras tout ce que je te dirai. Oui, mais eux, ils vont m'assassiner. Non, crois-moi, ils ne te tueront pas. Tant que tu tiendras l'argent, ta vie est plus en sûreté que celle du pape. Trentini. Oui. Gardez l'argent ici. Bon, d'accord. Écoute-moi, Nico. Je suis d'accord avec toi, même si je comprends pas très bien. Il y a déjà eu 2 morts. C'est pas le moment de se faire remarquer par la brigade des meurtres. Eh bien, et la promotion, on ne veut pas rester commissaire des vols, n'est-ce pas? Oh, la vache! Oh, Serpico, il vient de pisser. Serpico? Qui est-ce? Oh, c'est un locataire qui, des fois, se cache dans les poches. C'est un rat de quartier. Le pauvre, à cause de la dératisation, il est orphelin de père et mère. Alors, on s'est associé. Associé. Qu'est-ce que tu as soif? T'en fais une tête. Si tu savais, j'en ai vraiment plein le cul. Oh. Ça devrait plutôt te faire plaisir, non? Oui, mais il y a plaisir et plaisir. Tu connais un certain Ciappetta? Oui, il est assis au bar. C'est toi qu'on appelle Ciappetta? Seulement pour les amis. Je peux t'offrir quelque chose? Ah oui. Un Orangina me ferait plaisir. Un Orangina et un whisky double. Tu sais, je n'aime pas tellement boire des verres d'alcool. Ah bon? Merci. Bien. Viens, on va s'asseoir. Écoute, tu connais un certain Achille Pertinari? Baronetti, oh bien sûr. Bien, moi et quelques amis, on le cherche depuis longtemps. Mais on n'arrive pas à le trouver. Il est malade, il est à la polyclinique. Ah, le pauvre, il est malade? Je voudrais le voir. Chambre 37 en urologie. On lui apportera des oranges. Il aime les oranges. Hein? Vous n'auriez pas pour moi une petite banane? Hein? Hein? Ben, cette année, l'équipe de Rome est forte. Forte, oui. Forte et vraiment bien organisée, ça oui. Qu'est-ce que tu as, mon fils? J'ai une malchance qui m'emporte, ma sœur. Tu veux boire quelque chose de frais? Non, ma sœur, j'ai juste peur à cause de ce mort qui est derrière le paravent. Il m'en veut. Mais mon fils, les morts ne font aucun mal aux vivants. Thank you.
Vous m'entendez? Parlez. Oui, on t'écoute. Ils l'ont emmené sur un brancard roulant. Terminé. Ici, en vitesse, allez! On pourrait nous repérer. Allez, roule! Hé, hey, réveille-toi, Baronetti! Réveille-toi! Regarde-moi. Tu me reconnais, hein? Hein? Bâtard! Tu te rappelles de moi? C'est toi qui as pris ma mallette. Je ne me rappelle pas des clients. Qu'est-ce que vous voulez? Voyons, maintenant t'es réveillé, je suis sûr que t'es un garçon intelligent, hein? T'as compris qu'on est du genre qui ne se marre pas dans le boulot? Si tu veux pas finir comme tes deux copains, tu devrais nous indiquer où t'as planqué notre mallette et l'argent. L'argent, mais... Allez, Barnetti, tu sais que c'est toi qui l'as, hein? T'es trop malin pour avoir songé à dépenser un seul de ces dollars. D'accord. C'est vrai. Comment je peux avoir confiance, moi? Qu'est-ce qui me dit que je serai libéré? Oh, personne. Mais je peux t'assurer que si tu me rends le tout, tu seras libre. Ta peau et celle des autres, ça, je m'en fous. D'ailleurs, tes amis seraient toujours vivants si j'avais récupéré mon argent. Très bien. Je vous fais confiance. Moi, je vous amène là où est la mallette, avec les dollars. Mais on ira seul, vous et moi. Les trois autres resteront là. Dans la voiture. Vous êtes d'accord ou non? C'est pas toi qui fixe les conditions. Vas-y, tue-moi. Mort pour mort. Moi, je m'en fous, tu sais. Mais tous ces dollars, les rats, les bouffons. Ok. On fera comme tu voudras. Dis-lui, on va. Tu vas pas, Aurélia. Je te dirai ensuite. Voilà. Ils viennent juste de passer. Soyez prêts, ils vont arriver à l'instant. Terminé. À vous. Arrivé. Bon, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Une vieille usine abandonnée. Personne ne vient dans ce coin-là. Bon, alors on fait comme on a dit, hein, c'est bien ça. Bon, on est d'accord, les trois restent près de la voiture sans bouger. Vous et moi, nous y allons. Bon, d'abord, je vais vous fouiller pour vos armes. Attendez, restez là, cet enfoiré n'est pas net, il est en train de me posséder. Moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait?
Ce que t'as fait, hein? On était bien d'accord pour y aller seul pendant que les trois autres attendaient. Pourquoi tu leur as dit de descendre? J'en sais rien, j'ai dit ça comme ça. C'est parce que dehors, ils peuvent servir de cible alors que dedans, c'est les autres. Mais qu'est-ce que c'est que servir de cible? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ok, d'accord, fils de putain. Si je me gourre, les choses ne changeront pas. On reviendra une autre nuit, mais je te le dirai quand je le voudrai. Allez, démarre! Tourne la voiture, démarre! Non, mais quoi, qu'est-ce que vous faites? Thank you.
Police! Descends, je prends ta Jeep! Mais j'en ai besoin de ma Jeep! Mais moi aussi! Mais quand me la ramenez-vous? Je peux pas attendre! Hé, hey, doucement! Elle est délicate! Je voudrais savoir le nom de celui qui vient d'entrer en voiture. Pourquoi il vous intéresse? Pour lui parler de choses importantes. L'entrée pour le public est au fond là-bas. Il est encore bien trop tôt. Il n'est que 7h15 et l'horaire est de 9h à midi. Il serait opportun de revenir un peu plus décemment vêtu. Bon. Mais tu ne m'as toujours pas dit comment s'appelle ce type-là. Ce type-là? Mais vous voudriez parler à quelqu'un de choses importantes sans même connaître son nom. Et dans une tenue indécente. Qu'est-ce que tu dis? L'Amérique, c'est très important, et Colomb, quand il l'a découvert, ne savait même pas comment elle s'appelait, vu? Jeune homme, vous voulez passer en prison? T'es brigadier? Oui. Je suis ton supérieur, inspecteur Giraldi. À vos ordres. Comment s'appelle ce connard? Mais il est américain. Pourquoi? Chez eux, ça n'existe pas, les connards? J'en reviendrai plus tard. Oui, entrez. Richard Rousseau, je croyais que j'étais venu parler à Monsieur Norman Shelley. Ou alors vous êtes assis au bureau de quelqu'un d'autre, ou bien vous avez deux noms, un pour l'ambassade et l'autre pour l'hôtel Byron. Mon nom est bien Richard G. Rousseau et je ne connais aucun Shelley. Voulez-vous me dire le motif de votre visite? Ah oui. Je vous rapporte ça. Merci. Ah, merci. Ça appartient à ma voiture, je l'ai perdue en heurtant un plot lumineux. C'est très gentil de me l'avoir apporté. Où l'avez-vous trouvé? Dans le cul de ta mère. Excusez-moi, mais j'ai beaucoup à faire. Je vous prie de me laisser. Qu'est-ce que tu m'as demandé? Je vous ai prié de sortir. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Dis donc. Appelle un docteur. Monsieur Rousseau peut avoir une rechute. Je peux faire quelque chose? Ce n'est rien. Ce n'est rien. Dans le fond, pour moi, c'est une satisfaction de savoir que toutes les gifles que j'ai prises l'autre soir, pendant que nous étions au crocodile, ont servi à quelque chose. Elles ont servi, oui. Nous avons réussi à inculper Shelley ou Rousseau, enfin, je ne sais plus très bien son nom. Nico, excuse-moi, mais quel rôle avait-il dans l'affaire? Le plus important, c'est lui qui ramassait les dollars. Oui, comment? Il a acheté plein de dollars signés, et au moyen de la valise diplomatique, il les a transportés à l'étranger. Mais ces 5 millions, une personne les a déjà payés. C'est pourquoi il a été arrêté. Oh, il est déjà rapatrié, on lui a fait un procès en Amérique. Ils m'ont dit que j'irai peut-être pour témoigner pendant le jugement. Mais tu parles anglais? Je le parle, mais je le comprends pas. Oh, toi! Et ferme bien toutes les portes, hein. Il y a tant de voleurs. Dis-moi, ce Kagonov Jornakov, comment tu l'appelles déjà? Kouniakov. Oui, c'est ça. Comment va-t-il te remettre le manuscrit? Parce que si j'ai bien compris, c'est un truc explosif. C'est un pilote américain arrivant aujourd'hui de Moscou qui devrait me le remettre. Si tu savais le mal qu'ils ont eu pour le faire parvenir jusqu'ici,
Mon éditeur a dû payer très très cher pour avoir ce document. Mais tu comprends, ça en vaut la peine. De toute façon, ce Koulanov est un type courageux. Je pense qu'il ne va pas tarder maintenant. Ah, le voilà. Qui ça, Chanikov? Mais non, le pilote. À destination de Moscou, embarquement immédiat, porte 35. Ah, tu sais, je suis très émue. Aide-moi. Tiens, là. Ah. Où est le manuscrit? Il n'y a que de vieux journaux. Il a dû avoir un contrôle ou... J'en étais sûre. Kouniakov est bien trop contrôlé dans son pays. Évidemment, la police secrète est intervenue. Ce serait pas le pilote qui aurait voulu... Oh, c'est pas possible, le pilote est en dehors. C'est vrai, mais ils ont dû l'échanger pendant le voyage. Oh, regarde, Nico, regarde! À la porte 35. Regarde, là! Qui, Kakolov? Mais non, celui qui est là-bas. Il a une mallette comme celle-ci. L'homme qui a une toque grise. Il s'embarque pour Moscou. Oh, désormais, il n'y a plus à espérer. Tu sais pourquoi... Nico! Allez, on part avec la moto. Mais inspecteur, j'ai rendez-vous avec une fille. Ne discute pas et roule. Et où est-ce qu'on va? Par là, pour un petit vol. C'est sûrement très intéressant, mais j'y comprends rien. C'est écrit en russe. Mais Nico, c'est le manuscrit de Kouniakov. Ah bon? Comment tu fais? Je l'ai volé, chérie. Donne-moi un baiser. Je jure sur mon amour que tu es le meilleur inspecteur du monde. Tu as fait une chose sensationnelle. Je bricole. Comment tu fais pour entrer dans la voiture? Elle était fermée à clé? Oh, je sais tout ouvrir. Mais comment tu fais? Comment enseigner à un policier à être voleur? Explique-lui, Serpico, explique-lui.